environ 30 secondes, l'horizon va se retrouver obscurci par les engins de mort les plus dangereux de l'univers. Ça se voit que vous n'êtes pas vraiment le type de gars qui aime se faire remarquer. Mais c'est pas à vous de décider. Vous et mon pilote, vous êtes les marines les plus importants que nous ayons. Alors, sortez votre cul de là! Allez! Ils se sont barrés ou quoi? Putain, je comprends plus rien, moi, franchement. Bande d'enculés. Ah bah bien, 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 ça continue. Et toi, tu fais quoi dans la vie? Bah, je bourrine. Oh, ça me va bien, ça me fait des points. Pas question que je reste un. Eh oh, tu te calmes, hein. C'est moi le chef ici. Ils sont derrière nous. Bougez-vous, Marine. Je veux que chaque centimètre carré de cette rue soit protégé contre une attaque. Winter, chopez les sentinelles et placez-les dans les rues. Non, moi je m'en fous, hein, je vous emmerde, pas bon détecteur. Je suis Tiso, après tout. Ah. Et je trouvais tous les flingues. C'était facile, c'était pas très, ils étaient pas très bien cachés, hein, les flingues en or. Hein. Enfin, les flingues uniques. Oh putain, tout le monde s'est fait baiser ici. Oh là là. Bande de merde. Parce qu'il y a par là-bas. Ouais, tout le monde se fait ken ou quoi dans ce truc? La salle des commandes, allez, ils vont sortir par où? Ah là là, putain, je savais même pas qu'ils avaient fait venir des marines parce que... Enfin dans leur cache, enfin ils avaient sécurisé Hope machin. Pour ensuite faire arriver tous les marines.
qu'il est mort? Je ne sais pas. C'est la merde, tout le monde se fait attaquer sauvagement. Ah c'est vraiment dans le cul, il y avait je sais pas combien de marines, c'est à nous de faire tout ça le boulot quoi. On avait besoin. Il est mort. On va tous les baiser. Ah ok, je pouvais passer par là carrément. Attendez, non. Marine. Abuse pas quand même hein. Merci qui? Merci Jackie et Michel. Il y a encore un marine par là-bas. On va tous les baiser. Ah lui il était en vie. Une égratignure. On respire bien, je suis là. Putain, on dirait qu'il est maquillé. Put put cruise. On va améliorer. Tire semi-auto, lol. N'importe quoi. Fusil à pompe. Pistolet mitrailleur, non, j'ai pas accès. Fusil de combat. Extension du canon. Là, ça m'intéresse. Ok les gars, foncez vers le hangar à véhicules. C'est notre nouvelle salle des opérations. Faites gaffe au toit. On est automatique ou semi-auto? Non, ils ont abusé. Il est automatique, putain. Ils ont abusé. Donc toi, je suis pas un PD. Ah, je les fume en manu les mecs. Mon détecteur s'emballe. Prépare-toi à les accueillir. Les fenêtres. Les fenêtres, ils passent dans les fenêtres. Ennemi anéanti. Sans les stocker. Les passerelles. On n'est rien à foutre. C'est en haut que ça se passe. Ils arrivent en haut que ça se passe. Ils arrivent par les fausses aérations. Les passerelles.
Allez, encore dans un petit coin. Coupe ça, du con ! Il faut sur les opérations ! Oh, oh, il était trop sauvage celui-là. D'accord, qu'est-ce qu'il fout celui-là? La tour elle est niquée, on a une brèche dans le tunnel. Ah merde, ah, j'y crois pas, j'ai l'impression que les armes automatiques c'est le mieux contre ces bâtards. Bah s'ils veulent des armes auto, bah, on va se mettre que full auto. Hein. Non, on va se mettre aussi avec des peupons. Ah non, enfin je suis bête, tu peux recharger tes armes. Faut vraiment être abruti comme Tizo pour ne pas poser la tourelle juste pour se faire des points quoi. Mon détecteur s'emballe. Prépare-toi à les accueillir. Vérifiez les fenêtres. Vérifiez l'escalier. Attention aux passerelles. Et fonce tout, on a compris. T'as pas peu marre, ça y aura rien toi. On a compris les passerelles. Tu pars, j'ai même pas touché ta tourelle de merde. Ah non, sérieux. Ah, faut que je tombe dans un coin ou quoi? Alors, faut que je reste près des munitions. Voilà. Attends ici. Mon détecteur s'emballe. Prépare-toi à les accueillir. Vérifiez les fenêtres. Bande de tarés. Attention, passerelle.
pote lui se fait gangbang. Hop là. Un petit bain d'acide. Oh les salopes. Putain, il fonce dessus. Oh non, c'est pas vrai. Oh, je crois qu'il y a le fusil à pompe. Ah, il y a le fusil à pompe, ça continue. Hop là. Hop là. Amélioration. Bon, il n'y en a plus. Attends, c'est pas ça, je vais pas réussir, hein. Ça continue. Hein. Ah, vous savez quoi, je suis mauvaise langue, on va mettre la tourelle, mais on la mettra quand on sera à l'intérieur, du genre là. Mon détecteur s'emballe, prépare-toi à les accueillir. Attendez, ça c'est pour que je passe. Les fenêtres, passe par les fenêtres. Allez, on y retourne. Et on me cherchait là, ces bâtards. Ah putain, non, il fait un travers mur. Putain, ça s'est mal fait, faire des travers à travers le mur. Oh non, c'est une blague. Même ça, il a rien pu y faire, quoi.
fenêtres. Ils passent par les fenêtres. Vérifiez l'escalier. Mais non, sur les traces. Allez, là on se replie. Ta gueule! Oh mon dieu! C'est trop c'est so trilomique tout ça en fait. Ah mais c'est sûr, je crois que je vais faire un truc, je vais camper comme une salope. Rien à foutre. M'en bats les couilles frère. Camper comme la plus grosse des salopes, elle me foutre. Vous savez quoi, elle me foutre. Mon détecteur s'emballe. Prépare-toi à les accueillir. Allez, déployons ces tourelles. Vérifiez les fenêtres. Ils passent par les fenêtres dans l'escalier. Les passerelles. Quoi, je vais me foutre ici et je vais plus bouger. Alors il faut quand même que le script s'active un peu. Attendez. Attention au passerail. Là-haut, il passe par les aérations. Là-haut, il passe par les aérations. Les passerails et l'escalier par les opérations. J'en ai eu un autre. Là-haut, il passe par les aérations. Hop là, voilà. J'arrive par le tunnel.
Oh, je dois bunny up ou quoi pour les éviter? Enfin putain, c'est pas trop tôt quoi. Non mais sérieux. Faut mettre Reed dans le transporteur. Elle est toujours aux opérations. Elle est pas là. Pardon chef. J'ai envoyé Reed et X dans un blindé en dehors de la colonie. Vous avez fait quoi? C'est vraiment des graphismes pas beaux. C'est quoi ce bordel? Sérieux? Mais casse-toi! My god. Ah bah lui au moins il bouge encore hein. Oula. Un coup de genou. Ah mais sérieux, c'était quoi cette saloperie? Elle est toujours aux opérations. Elle est pas là. Pardon chef. J'ai envoyé Reed et X dans un blindé en dehors de la colonie. Vous avez fait quoi? Bien sûr ça passe à le garder hein, j'ai plus de balles. Alors il faut que le script s'active. Quoi? Oh non, il... Ah putain, le bâtard il passe à travers. Non mais laisse-moi partir. Laisse-moi partir. Mais c'est une blague. Pas d'angle mort ce connard. De pute, vous m'avez mis rien du tout pour me défendre. En plus les autres ils sont même pas attaqués, c'est génial. Comme ça suffisait pas, vous mettez des salopards d'aliens aussi en plus. Non mais cassez-vous les mecs, vous abusez là. Putain. Ah, combat de cancéreux putain. Ces munitions ont disparu.
Ah putain, dire que... Attends, j'espère vraiment que la reine, c'est pas une aussi grosse saloperie que ça. My god. Ah bah là c'est beau hein. Oula. Ok d'accord. On va dire c'est le futur. C'est le futur. C'est le futur. Si j'ai des points, autant en profiter. Oh putain, il est nul. Ah, et dans le cul, on nous demandait d'éliminer tous les xénos restants. Ok, ici Raider 6-5, tous les systèmes sont parés. Bouchez-vous les oreilles. Sur la reine, elle va débarquer. Demande la permission d'approcher pour l'atterrissage et pour commencer la fête. À vous.
Apparemment, vous serez parfait, espèce de saloperie d'insubordonné. Vous avez pas précisé où se diriger avec le blindé. Chef. Comment pouvez-vous être en vie, si vous me permettez la question? Que s'est-il passé sur Fury 161? Bon, on va éviter tout le baratin inutile. On a quitté LV-426 et j'ai envoyé un signal de détresse, auquel vous avez tous répondu. Puis je suis retourné en hypersommeil en attendant de l'aide, ou la mort, peu importait. Près de Fury, le vaisseau est passé en mode alerte et je suis sorti de l'hypersommeil, étant le seul marine qui restait. Le vaisseau était en alerte parce que les soldats de Michael Wayland étaient montés illégalement. Donc, qui était dans ton caisson? C'est une longue histoire. Tout ce qui m'importe, c'est de les buter. C'est tout ce qui me reste, les gars. Allons-y. Après vous, chef. Nous sommes tous des marines coloniaux. Y a pas un jour qui passe sans que je remercie le ciel de m'être engagé. Je serais un putain de damné si je laissais la Wayland Yutani me retirer ça. Actuellement, on n'a aucun vaisseau hypersonique pour que tout le monde quitte cette planète. Mais eux, oui. Combien de temps avant que le prochain vaisseau arrive? Jusqu'à ce soir. Ils font leur valise pour de bon. Soit on prend ce vaisseau, soit on part pas. C'est la seule chance qu'on n'aura jamais. J'ai 63 marines coloniaux des États-Unis avec moi. Et on va s'emparer de ce complexe, ainsi que de ce vaisseau. On va faire tout notre possible pour faire couler cette compagnie et Michael Wayland, pour tout ce qu'ils nous ont fait endurer, et tout ce qu'ils nous ont pris. Jusqu'à la mort, O'Neill. Jusqu'à la mort. Au nom des Marines, tombez au combat! Ah là là, c'était tellement vide. Eh bon, on va pas se plaindre.